tous. Et bien salut tout le monde et bienvenue chez John pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Mario Kart 8 Deluxe. Allons-y, c'est parti pour une nouvelle coupe en 150cc. Let's go! Alors c'est parti, 150cc. On va reprendre de ce bouffon de Mario comme d'habitude. Voilà. Et aujourd'hui, cette fois-ci, nous allons faire la coupe. Attention. Je sens la connerie arriver sur les commentaires. La coupe de Mont-Blanc. C'est vraiment le titre, hein. Non, mais c'est vraiment le titre. Bon, ok. J'ai rajouté Mont-Blanc. Ok. Non, la coupe du Blanc. La coupe de l'an. Ah bon, ok, c'est nul comme blague. Ok. Regardez, la coupe de l'an. Coupe de l'an, ouais, c'est bon, je l'ai bien dit, c'est bon. Et là, on va être, on est à Rome, Romantica. Normalement, c'est Venise, la ville romantique, mais bon. Dans Mario, c'est Rome. Ok. Bon. Oh bah, tu la vache, comment elle est grande ce bâtard de circuit. Allez, c'est parti, on va y arriver. Attends, attends, alors là. Comment ça? Waouh, vous savez quoi, je vais pas aimer. Waouh, il est trop long, sérieux. Regardez comment il est immense. Ça va dans tous les sens. Ok, je me prends un mur. Sale petit merde. Bon, à chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours les mouches qui viennent me casser les pieds. Je commence à bien faire, hein. Ah, mais j'en ai marre, j'aime pas ce jeu. Bah si, j'aime bien, mais... Bon, pourquoi je rage alors que je suis premier? Non, mais oh. Je vais peut-être devoir calmer mes émotions, moi, à un moment. Allez, troisième tour consécutif. Oui, non, mais il fallait me dire que c'était par là. Ah, j'aime pas ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, l'autre il me double comme ça. D'accord, ok, très bien. Tiens, bien fait pour ta gueule. Premier. Non mais c'est super ça. On commence fort les amis. Très très fort. C'est quoi? J'ai envie de faire un live aussi. Regrouper dans le live toutes les courses du booster. On se passe. Elles ont remis ce circuit. Oh ben, il date de belle lurette celui-là. De la Nintendo GameCube. Ensuite, ils l'ont remis sur la Wii. Et ensuite, ils l'ont remis là. Waouh! Oh putain, ce circuit. J'aime bien ce circuit. Il est fun, je trouve. On va voir si je veux dire ça dans deux minutes. J'aime bien.
Pour l'instant, ça va, je suis premier. Je parle pas beaucoup car je me concentre. Eh oui, ça m'arrive. Il est trop fin ce circuit, moi j'aime bien. Comment ils l'ont refait, c'est trop bien. On a la place pour passer, tout ça. C'est cool. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça. Comment c'est... Bon, à part quand on prend une éclair dans la gueule, mais... C'est pas grave. Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Mais enculé de ta... Bon, troisième tour. En gros, ce soir, c'était même pas prévu que je fasse cette vidéo. Oui, parce que là, on est au soir. Il est exactement 21h34. Je n'avais pas envie de faire de live, donc j'ai dit, allez, pourquoi pas faire une vidéo solo. Et à l'heure actuelle où vous la regardez, elle a été que publiée là, ce matin. Ah mais là là, mais il m'énerve ce Zelda là, la con là. Mais il m'énerve ce booster là, la con. Mais putain, mais va te faire foutre toi. Mais dégage-moi de la pitch. Mais c'est une vraie bouffin cette meuf là. Là on n'a pas élevé les cochons ensemble là. Bon. Ah, le circuit des îles. Ah, celui-là aussi. Il répète toujours la même chose. Mais là, c'est bien sur Switch. Donc, c'est parti. Let's go. Hop là, tac. Premier, ça c'est cool là. Ah, je n'y arrive pas premier, c'est impossible. Ah, j'aimais pas ce circuit-là à l'époque. Bah, j'aime encore moins, vous voyez? Bye bye! Eh ben il est sérieux lui! Il est sérieux lui!
Elle a remis un turbo direct lui. Le plus tard, mais il est débordé. Et enculé va. Et hop là, deuxième, allez. Allez, t'as les bouteilles de lente avec Randonnée qui pendent. Allez. Je remonte à la deuxième place quand même. Deuxième place, donc c'est bon pour la coupe en argent. J'aurais préféré la coupe en or. Mais on ne peut pas tout avoir. Eh non, ce n'est pas possible ça. Donc allons-y pour ce troisième circuit. Ruin, plante, piranha. Oh là là, c'est quoi ce... En plus. Coupe de lampe. En fait, sur Coffee, je vais mettre coupe de monte lampe parce que c'est mal poli, mais franchement, j'ai envie de mettre cette connerie. Mais je suis désolé, mais Mario, il me tend la perche en même temps. Normalement, je dois éviter tout ce genre de conneries là, mais comment voulez-vous que je fasse pas ces trucs là si Mario me tend la perche avec ces trucs bizarres. J'aurais été la coupe testicule, j'aurais fait la coupe de mes couilles. Mais y a pas, on va pas. Non. Quand même un jeu pour enfants normalement. Normalement. Un jeu pour enfants, j'ai 33 ans, je joue avec. Trouver l'erreur. Je suis deuxième depuis tout à l'heure. Allez, attends la touche. On l'a bousculé. On est premier, 31er. De toute façon, moi je vous dis un truc. Dans les jeux vidéo, c'est soit que je suis complètement sérieux, soit que je sors de conneries toutes les 2 minutes. C'est pas de ma faute. Je peux pas être sérieux dans un jeu vidéo. C'est ma façon d'être. Ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera jamais. Voilà, alors lui il s'énerve. Il a pas chié ce matin, regardez-le. Vous voyez? J'ai oublié de sortir une connerie. Là on va envoyer la carapace derrière. Quoi, troisième tour? Ah ouais, j'ai encore un tour. Ah non, mais ils sont chauds là. Je croyais que j'avais fini moi. Bon, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, j'ai une mouche de merde qui m'emmerde depuis tout à l'heure. Elle va mourir, je vais lui mettre la bombe dans la gueule. Elle va crever, c'est moi qui vous le dis. L'autre jour, j'étais en live, sur je sais plus quel jeu, j'en ai mangé une. Phasmophobia, merci Charline. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire que je suis avec Charline dans la vidéo. Elle fait la discrète aujourd'hui. Quoi? Mais va te faire enculer, regarde. T'as vu mon doigt? Regarde. Va te faire foutre, connard. Ah non, en fait, va pas te faire foutre. Tu me donnes quand même la coupe en argent. Donc non, ne va pas te faire foutre. Merci. Toi, je m'énerve pour rien. Mon petit cœur, un jour, il va lâcher. À force de m'énerver. Non, le jeu où je vais rager le plus, là, je crois, c'est Crash Bandicoot, le mode aventure. Il me fait chier. Tu croyais qu'il fallait faire juste des courses et tout. Mais en fait, je me rends compte qu'en fait, non, il faut chercher des rubis. Faut chercher des diamants. Faut chercher des clés, tout en faisant des courses. Faut être la tête des caisses pour avoir plus de pommes possible. Bon, on s'en fout, bref. Pour l'instant,
nous sommes dans Mario Kart. Mais juste un truc, Crash Bandicoot, Nitro Fueled, le mode d'aventure, franchement j'ai fait 2 épisodes, je pense que je vais pas en faire un 3ème. Ça sera des courses normales, voilà, parce que franchement ça me casse les couilles le mode d'aventure. Je vous jure, je vous dis. Donc si c'est pour faire quelque chose qui me plaît pas et que vous m'entendez tout le temps rager, ce n'est pas possible pour vous. Bon, après vous allez me dire, oui mais John, tu rages beaucoup sur The Walking Dead Destinies. Là je vais vous arrêter. Là en fait je rage sur ce jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas mis des scènes cultes dans ce jeu. Les scènes cultes qu'il y a dans la série, ils les ont enlevées. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, The Walking Dead Destinies, je lui mets un gros doigt dans son cul. Parce que franchement, c'est de la merde en boîte. Et il pue la merde. Il pue la merde, il pue la merde, il pue la merde. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo sur Mario Kart. J'espère que celle-ci vous aura plu. Moi, ça a été nickel. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à venir vous abonner si ça n'est pas déjà fait, tout en activant la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos et des prochains lives. Sur ce, moi je vous dis bonne journée à tous. Bye bye. Et maintenant, le jeu, tu fermes ta gueule.